Bébé, cet échidné était peut-être une cible. Mais maintenant qu'il a revêtu son manteau d'épines, cela complique sérieusement les choses. Aujourd'hui, il a pour mission de dénicher 200 grammes de termites, de larves et d'œufs en 10 minutes. Son nom savant n'est pas Tachyglossus, autrement dit langue rapide, pour rien. À mi-chemin entre le porc-épic et le tamanoir, noir, il s'attaque aux fourmilières à l'aide de son museau long de 8 cm. L'ornithorynque et l'échidné sont les deux seuls mammifères ovipares. Et lui aussi est capable de sentir les vibrations électriques de ses proies. Il n'aime pas les conflits. En cas de danger, il préfère se rouler en boule ou bien creuser un trou dans la terre pour s'y cacher. On raconte qu'il est capable de creuser aussi vite qu'un homme avec une pelle. Sa langue collante, d'une vingtaine de centimètres, fait la moitié de la taille de son corps. Très agile, elle lui permet d'attraper les insectes dans leur tunnel. Pas besoin de dents. Il écrase son repas contre son palais. La terre qu'il ingurgite l'aide également à moudre sa nourriture. À l'approche de l'hiver, il se partage entre la chasse aux termitières et la quête du nid parfait. Il diminue la température de son corps pour atteindre 8 degrés et entre en hibernation jusqu'au printemps.